Salut tout le monde et bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo Call of Duty Mobile. Oui, vous ne rêvez pas, on va pouvoir directement essayer le mode zombie grâce au compte développeur de Garena. Au final, c'est la saison 2 qui a tout dessus et qu'au final, on va voir débarquer petit à petit lors de la saison. Donc, je vais d'abord faire un petit tour de ce qui va changer et après, on ira se faire un petit mode zombie. Déjà, je peux pas accéder au mode Battle Royale, donc je vais pas pouvoir vous dire ce qu'il y a dedans. Le menu a été un petit peu retravaillé, on va pouvoir voir le store sur la gauche, la petite neige pour tout simplement Noël et on va directement aller donc sur le multijoueur. En ranked, les skins que l'on pourra obtenir, ça sera le B-Grade 15 avec une petite glacier, on dirait, et donc directement le petit encadré en saison 2. Concernant les séries d'élimination à venir, donc on connaît déjà la globalité de ce qu'il y a. Le petit drone de reconnaissance, pas le drone pour pouvoir voir les ennemis sur la carte, le petit drone que l'on peut guider ou qui s'utilise automatiquement pour aller tuer les adversaires. Et le petit XS1 Goliath. Alors ça, je ne sais pas du tout ce que c'est. Peut-être une frappe aérienne, étant donné qu'il n'en a pas encore dans le jeu. Je vous invite à me dire tout ça dans la barre des commentaires. Concernant les modes à venir, un mode Prop Hunt. C'est tout simplement du cache-cache dans Call of. Je ne sais pas ce que ça va donner, mais pourquoi pas, ça ferait plaisir de le voir. Et le petit cadeau que tout le monde attend, c'est la nouvelle map semi qui sera de la partie. Donc elle est là. On va pas se faire une petite game, nous. On va vraiment se consacrer sur le zombie. Je voulais tout simplement vous présenter tout ce qu'il y a dans la saison 2 qui va arriver. Trêve de bavardage, je pense que c'est le mode zombie que vous voulez voir. Donc nous voilà dans le menu du zombie, déjà bien design et super bien fait. Donc on peut voir qu'il y a deux modes. Pour résumer, le normal raid c'est si vous voulez jouer en solo et le heroic raid c'est pour pouvoir jouer avec une team. Donc on va d'abord aller sur le normal raid pour le tester. Ah franchement, je suis vachement impatient de le tester là, je suis comme un fou. Je vous invite à mettre votre petit pouce bleu, pensez à vous abonner et n'hésitez pas à lâcher un petit commentaire si vous kiffez le mode zombie et si vous l'attendez avec impatience. Allez, nous voilà donc dans la scène du jeu. Donc il y a d'autres joueurs avec moi. Ok, donc on commence avec le flingue, on atterrit dans une game. J'espère que les zombies sont pas trop énervés d'entrée de jeu. Alors, qu'est-ce qu'il y a là? Ok, on peut donc acheter tout simplement les nouvelles armes. On a combien? On a 500 pièces en haut à gauche. On va d'abord rester au flingue tranquillou. C'est où les zombies là? Je les vois pas. Ok, il y en a un dedans. Nice. Allez, toi tu meurs aussi. Il n'y a plus personne. Allez, toi tu meurs. Laisse-moi reconstruire. C'était pour moi les reconstructions. Merci. Sérieux, ce crevard, quoi. Ça va être encore un truc de crevard. Ouah, 1610 pièces. Ah ouais, d'accord. Tu gagnes tellement vite les pièces, en vrai. On va être sûr de prendre une arme, parce que j'en ai marre de jouer au flingue. Donc, je vais prendre cette petite AKS-74U. Oh, je viens d'avoir une machine de mort. Pourquoi? Ça, je comprends pas, par contre. Mais bon, tant pis. On va être bien avec la machine de mort. Là, peu importe qui c'est qui arrive, on est prêt à les zigouiller. Dites-moi si vous reconnaissez les maps, parce que honnêtement, celle-là ne me parle pas du tout. Est-ce que c'est une nouvelle map du jeu ou est-ce que c'est celle d'un ancien Call of? Ah, mais on peut sortir et tout. Ah ouais, pas mal. Attends, on va sortir un petit peu, on va voir ce qui se passe dehors. Ici, donc, on peut ouvrir, mais on va pas ouvrir, parce que sinon, il y a plein de zombies qui vont arriver. Ah, d'accord, c'est les petits atouts, ça. Ok, ouais, donc, pour le coup, vu que c'est en anglais et qu'il y a les zombies, on va d'abord vite fait les déglinguer. Oh, j'en ai derrière moi. Ouais, ça a l'air. Tu peux pas le tuer, merci. Alors, qu'est-ce qu'il y a de beau ici? Il y a quoi en atout? Donc, Rapid Reload, ok, Critical Hit. Ok, donc on va prendre le Critical Hit. What? Attends, pourquoi ça me touche là? Il y avait un zombie. T'es sérieux, ils sont déjà là? Ah ben oui. Oh, il y a le petit loup-garou! Il y en a un loup-garou là qui est en train de me faire mal d'ailleurs. Eh, laisse mon coéquipier tranquille. Voilà, on vous égouille, d'accord. Ok, donc les éclairs, c'est quand il y a les loups-garous qui apparaissent. J'ai oublié que c'était comme ça. Ouh, ça va être chaud là. Faut que j'arrive à récupérer de la vie. Toi, tu meurs. Allez. Voilà. Ok, on récupère donc de la petite armure. Voilà, c'est ça que je cherchais. C'était cette petite box de famille. On espère avoir le petit laser. Celui-là, il est toujours aussi classe. Allez, vas-y, le petit Kinder surprise. Ouais. Ouais, je prends la M4. Vas-y, c'est vraiment pour l'essayer. On va voir ce que ça donne. Donc, il y a du zombie devant. What? Mais attends, il y a un zombie qui me touche, là? Ouais, mais là, on est enfermé au final. Donc, parfois, il faut faire le tour. Ah là, du zomblard, mon gars. C'est ça qui est bon. À la longue, j'aimerais bien qu'ils mettent un mode infecté. Ok, donc, on a fait le petit tour. On est fini. Non, il fallait pas prendre le squelette. On est arrivé en fin de round. Normalement, il va pas tarder à avoir certainement un boss. Ah oui, petite info. Au final, vu que je suis en fait sur un serveur à Singapour, c'est pour ça que je peux avoir de la petite latence. Bon, on va pas faire le difficile et on va se laisser comme ça. Ok, on est à la 8ème vague avant d'aller affronter le petit boss. Ça serait bien de drop le petit laser avant d'aller affronter le boss, histoire qu'on lui mette masse dégâts. Non, ils vont me buter, ils vont me buter, ils vont me buter, je suis dans le rouge. Là, on peut rediscuter. Non, je suis au flingue, j'ai oublié de prendre une arme.
Oh là là, en tout cas, très très belle cinématique, donc il nous a TP certainement vers le boss pour aller bien le zigouiller, en plus avec le petit flingue. Non, c'est pas ça le petit boss, ça m'étonnerait quand même. Ah, ouh, la belle petite araignée donc qui est sortie et qui a tué donc le petit loup-garou. Ok, donc j'ai compris, on va devoir tirer en plein dans le centre. Apparemment, ça a l'air d'être sa petite tête. Ouais, ben, je suis dans la merde. J'ai gardé un flingue. Attends, attends, il y a un petit truc là-bas. C'est quoi qu'il y a de beau ici? Mais non, laisse-moi là la roquette, j'ai rien d'autre, moi. Ouais, laisse-moi le boss. C'est pas sur moi. Laisse-moi tranquille. Vas-y, pète-le. Bon, je vais m'occuper des sous-fifres en attendant. Il y a rien de beau, là. Si, attends, une petite roquette là-bas. Boum ça! Ah, au final, ça m'a fait récupérer une petite M4 maintenant. C'est bon, tout ce que j'attendais. Boss qui est là. Voilà, on lui enlève des moins 11. Oula, il reste encore pas mal de PV. On n'a pas de petites grenades à lui balancer. Toi, tu viens pas me chercher, merci. Tu laisses m'occuper de ton patron. Ah, la PDW? Ouais, pourquoi pas, vas-y. Ça sera toujours mieux que le flingue, de toute façon. Voilà. Là, ça me parle, la PDW. Là, on peut discuter. Alors, on lui a enlevé un quart de sa vie depuis le début. On a des balles illimitées, donc ça, c'est plutôt chouette. Par contre, on voit pas si les coéquipiers sont morts ou pas. Si, d'accord. On voit leur pourcentage de vie sur la gauche. Ok, utiliser donc le RPG. Ouais, d'accord, ok, mais c'est pas moi qui ai le roquette. Je vais récupérer ma vie vite fait. Ouais, il m'a foncé dessus. Laisse-moi. Attends, les petits cocons, je sais pas à quoi ils servent. Mais en tout cas, c'est sûr que ça peut pas nous avantager. Allez, je vais vite les détruire d'ailleurs. Ah, j'ai pas réussi à le toucher. Putain, mais il n'y a plus de roquettes. Ça, j'en veux pas, j'ai dit. Allez, viens par là. Toi, tu as vite fait crever. Voilà, mange des 195. Là, c'est bon. Ouf, putain, le coup de claque qui m'a mis. Ah non, je suis tombé. Ah non. Ah, il faut qu'ils viennent m'aider, les potes, là. À deux, ils n'y arriveront pas. Attends, mais lui aussi, au sol. Attends, donc du coup, tant qu'à faire. Non! Est-ce qu'il peut m'aider à me faire revivre ou pas? Wait to revive. Donc, il me reste plus que 13 secondes avant de revivre. Là, on n'est pas loin de tuer le boss. Allez, il doit lui rester un quart de vie par rapport à la manche du début. Et donc, là, il me reste encore 2 secondes pour revivre. S'il te plaît. C'est bon, je suis revenu, mais bon, je suis qu'avec le flingue. Donc, ça va être une misère, mais pas le choix. On va faire avec. Est-ce qu'il n'y a pas des trucs au sol lâchés? Je crois qu'il y a une petite arme ici. C'est bon, nice. Donc, c'est ce que je voulais. La petite AK-117, la fameuse. Ouais, voilà, on va vite se dégager sous fils qui peuvent vite s'embêter. Non, mais attends, lui, il arrive vers moi. T'es arrivé, toi. Allez, le petit cocon. Donc, j'essaie de survivre le temps que tout le monde revienne. Toi, j'en veux pas. Tu meurs. Ah ouais, mais ils veulent même pas crever, les sous-fils. Un truc de ouf. Non, il me rush. Laisse-moi, j'ai pas envie de retomber. Je viens juste de revivre, laisse-moi tranquille. Aïe, je crois qu'il est derrière moi. Et ouais, il était derrière moi. Je sais même pas ce que j'ai mangé. Oh là là, j'espère qu'il va survivre. Je suis encore retombé. Ça va être pendu. Je vais essayer d'aller racheter une arme, parce qu'avec le flingue, ça va juste être pas possible. Déjà qu'avec la K-117, la PDW, on a du mal à la mocher, on a du mal à mocher les zombies. Alors au flingue, ça va pas être la peine. Ah, mais je peux activer surfri pour pouvoir revivre. J'ai droit à 3 chances. Donc ça, c'est bien, c'est plutôt cool. Ah, je crois que c'est ça qui m'a touché tout à l'heure. Eh, ok, j'ai compris. Donc, c'est des petits cocons qu'il invoque et au final, ça invoque des arbres. Ah ouais, non, mais là, c'est pas possible. Il faut qu'il arrête de me rusher. Moi, je viens d'apparaître. Qu'est-ce que je passe? C'est bon, au bout d'un moment, merde. Bah, écoute, on va amocher les petits zombies qu'il y a, hein. Oh, il m'a aidé. Merci. Attends, je vais vite reprendre ma vie, là. J'en ai un petit peu marre. Voilà, des glissades de partout. On peut voir sur la carte également où est-ce qu'ils sont les arbres. J'avais pas percuté. Ouais, il nous a craché dessus. Ah ouais, non, mais plus que cracher dessus, là. Allez, je peux pas te sauver pour le moment, je suis au sol. Il est où le mec à sauver? Il était par là, je crois. Non, je suis tombé aussi. Allez, faut qu'il arrive à survivre. Attends, je vais vite fait déglinguer son arbre là. Ah, c'est tendu, juste le premier boss déjà. Il est toujours là derrière. Oh là, il est où? Ok, il est là. Le mec qui s'est enfoncé normal sous la terre. Ok, donc je vais essayer de vite fait lui tirer derrière. Et voilà, on a enfin réussi à le tuer. Le premier boss, la petite araignée. Franchement, c'était plutôt pas mal, cette petite vague de zombies à survivre. Et derrière, il y avait le petit boss.
à tuer. Et forcément, c'est la belle petite victoire que je vous offre. Ah, et à la fin de game, on a une petite tombola. Qu'est-ce que ça nous sort? Ah, c'est cool, on peut drop de nouveaux skins, des nouvelles danses également. Donc ça va être plutôt pas mal, je pense. Franchement, ce petit mode zombie, il est vraiment pas mal. J'espère qu'ils vont la laisser longtemps, la version Singapour. Mais de ce que j'ai compris, ils vont peut-être l'arrêter demain ou après-demain. Je vous invite à mettre votre plus beau pouce bleu. Pensez à vous abonner et dites-moi dans la barre des commentaires si vous voulez encore d'autres vidéos du zombie avant même la sortie officielle. Il me reste plus qu'à vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée et à bientôt pour un prochain live, une prochaine vidéo. Tchou !